début, je peignais assez sagement, disons. J'adorais Van Gogh, Monet. Et je crois que j'ai appris à peindre avec eux. Et à un moment, quand j'ai connu mon mari, il me dit « Mais sors toute cette colère que t'as en toi !» Et j'ai appris à me libérer et à travailler d'une manière très gestuelle et très spontanée. Donc je ne pars pas avec un plan ou quelque chose de précis en tête. Je prends une grosse spatule, je fais de grands mouvements, de grands gestes qui risquent de crever la toile. Je prends du recul, je regarde les yeux presque fermés et je laisse venir les images et les couleurs qui vont s'agencer autour des traits que j'ai faits. Voilà. Je peins des paysages intérieurs dans lesquels j'aimerais bien emmener ceux qui veulent bien m'accompagner, disons. Au début, je peignais des chemins avec un éclatement de lumière au fond. Mais je crois que même quand mes tableaux sont nerveux, colériques et sombres, je crois qu'il y a toujours cette lumière qui jaillit quelque part et qui est très importante pour moi et qui est certainement une certaine forme d'optimisme qui m'habite. Mais je crois que la nature m'a dotée d'une énergie phénoménale. À la limite, je serais hyperactive. Et toute cette énergie, je la jette sur la toile et c'est une façon de ne pas imploser. Pas sur des petits formats, je suis nulle. Parce qu'il faut travailler très très soigneusement et avec une grande concentration. Et moi, je ne sais pas très bien d'où ça vient, ce que je peins. Et je pose parfois la question, qu'est-ce qui peint en moi? Et en fait, je ne sais pas. Et quand on me demande « que peignez-vous », je dis « du rêve et du vent », parce que je trouve cette question tellement difficile. Je suis hantée par les explosions de la nature, mais aussi par tous les éléments, la terre, l'air, l'eau, le feu. Je crois que c'est là que l'énergie se déploie le mieux pour moi, disons. Moi, je travaille extrêmement vite. Je retouche rarement. D'ailleurs, quand je retouche, je gâche tout. Et il y a une grande préparation mentale, toujours. Je pense que ça dépend complètement de l'état d'esprit dans lequel on se trouve. Qu'on soit dans un état de sérénité, de révolte, de colère, de joie de vivre.